comment nous pouvons entrer dans le royaume. We are talking about how to enter in the kingdom. Et cela, bien aimé, beloved, c'est commencé depuis la semaine antérieure. It's since the week before the other week. Je vous dis, frères et sœurs, brothers and sisters, entrons dans le royaume. Let us enter in the kingdom. Alléluia. Amen. Entrons vraiment dans le Let royaume. Let us really enter in the kingdom. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment entrer en profondeur d'un point. Today, I would really like to enter deeply on a point. Amen. Amen. Le Père avait parlé. The Father spoke. Pour dire que. He said. L'entrée dans le royaume, il faut le baptême. To enter in the kingdom, it requires baptism. Nous avons le baptême, nous avons la parole. Now baptism, it's the word. Quand nous avons la parole, frères et sœurs. When we see the word. Nous avons l'esprit de la parole qui conduit cette parole. There is the spirit that leads that word. Maintenant, si tu es dans le royaume. Now if you are in the kingdom. Première des choses, the first thing, l'Esprit de Dieu the Spirit va t'envoyer vers Satan. It will send you towards Satan. Que Satan teste. Satan will test you. Que si réellement tu as la parole en toi. If really you have the word in you. Amen. Amen. Aujourd'hui, today, nous allons nous atteler sur ce point-là. We are going to continue on that point. Comment Satan, how Satan nous attaque. Attacks us. Comment Satan, how Satan teste la parole en nous. Tests the word in us. Amen. Amen. Le dimanche, on Sunday, nous avons parlé. We spoke. Nous avons vu comment Satan s'était incarné. We saw how Satan incarnated. Dans le serpent. In the snake. Satan. Satan. Nous ne le verrons pas comme ça que nous voici. Satan est venu. We will never ever see Satan rising up physically and coming onto us. Comprends bien, ma sœur, mon frère. Understand very well, brothers and sisters. Tu verras Satan. You will see Satan. À travers la personne qui est avec toi. Through the person who is with you. C'est-à-dire. It means. Satan. Satan. Peut incarner ton mari. He can incarnate into your husband. Satan. Satan. Peut incarner ta femme. Can incarnate into your wife. Satan. Satan peut incarner tes enfants. He can incarnate your children. C'est l'exemple en Eden. It's the example of Eden. Satan avait incarné le serpent. Satan incarnated the snake. Le serpent est venu auprès de Eve. Now the snake came to Eve. Il a dit à Eve, est-ce réellement? He said to Eve, really? Le Seigneur a dit que vous ne toucherez pas au fruit des arbres. Did the Lord say you shall not touch the fruit of this tree? Nous avions dit. We said. Réellement. Really? Apportez le doute. Apportez le doute. We see that he brought doubt. Dans la vie de Eve. In the life of Eve. Réellement là. Apportez l'opposition. He brought opposition. Dans la vie de Eve. In the life of Eve. Voilà pourquoi Eve s'est opposée à la parole de Dieu. That is why Eve opposed to the word of God. Voilà pourquoi Eve a douté. That is why Eve doubted. La parole que Dieu leur avait dite. The word that God had given them. Et le serpent. Now the snake. Avait convaincu. Had convinced. Avait convaincu Eve. Had convinced Eve. Et la chute est venue. And then she fell. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans le cas de Jésus-Christ. We saw in the case of Jesus Christ. Jésus après sa prière de 40 jours et 40 nuits. Jesus after his prayer of 40 days and 40 nights. La Bible dit. The Bible says. L'Esprit de l'Éternel. The Spirit of the Lord. A conduit Jésus vers le désert. It led Jesus to the desert. Pour être tenté. For him to be tempted. Par Satan. By Satan. Nous connaissons l'histoire. We know the story. Tout ce qui s'est passé. Everything that happened. On dit Jésus avait la parole. We say that Jesus had the word. Jésus lui-même était la parole. And Jesus himself was the word. Amen, Église. Amen, Church. Alléluia. Amen. Ce soir. This evening. J'aimerais que nous puissions très bien comprendre. I would like us to understand very well. Mon frère, ma sœur. My brother, my sister. Tous ces enseignements. All these teachings. Le Père a enseigné. Toute une semaine. The Father taught the whole week. Après le Père, nous sommes en train de reprendre les points. Afterwards, now he went back again to the points. Que le Père avait enseigné. That the Father gave us. C'est pour que tu changes. For it's for you to change. C'est pour que tu entres dans le royaume. It's for you to enter in the kingdom.
Parce que mon frère, ma soeur, because my brother, my sister, si tu n'entres pas dans le royaume, if you do not enter in the kingdom, si longtemps que tu es déjà dans le Seigneur, if aussi longtemps que tu es déjà dans le Seigneur, as long as you are already with the Lord, tu seras détruit. You, as long as you are not with the Lord, you will be destroyed. Tu es déjà dans le Seigneur, you are already with the Lord, si tu retournes en arrière, and you go backwards, tu vas mourir. You will die. Nous avons vu le cas, we saw the case de Eli, of Eli, le sacrificateur, Eli the priest, ses enfants, his children, Phinehas et Ophni. Hophni and Phinehas. Ils sont morts. They died à cause du péché. Because of sin. Ils avaient la parole. They had the word. Ils n'ont pas appliqué la parole. They did not apply the ils word. Ils sont morts. And they died. Et l'arche de l'Éternel avait été confisquée. And the ark of the Lord was confiscated. À cause because du péché. Of sin. Amen. Amen. Mais ce soir, this evening, avant que nous prions, before we can pray, bon, ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Can we open the Bible in the book of Luke? Chapitre 8. Chapter 8. Nous commençons du verset 1 au verset 15. From verse 1 to 15. Nous lisons au nom de Jésus. The Bible reads, now it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided for him from their substance. And when a great multitude had gathered and they had come to him from every city, he spoke by a parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on the rock, and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. But others fell on good ground, sprang up, and yielded a crop 100-fold. When he had said these things, he cried, he who has ears to hear, let him hear. Then his disciples asked him, saying, what does this parable mean? And he said, to you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now the parable is this. The seed is the word of God. Those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while, and in time of temptation fall away. Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. It's the word of God. D'abord, j'aimerais dire ceci. First of all, I'd like to say this. Comment Satan? Satan. Il est l'ennemi de Dieu. He is the enemy of God. La Bible dit. The Bible says. Tout ce qui est de Dieu.
Everything that is of God, Satan les combat. Satan fights it. Et comment pouvons-nous nous poser la question? But then we can ask ourselves a question. L'Esprit de Dieu, the Spirit of God, peut envoyer l'enfant de Dieu, can send a child of God vers le terrain de Satan, towards Satan, pour qu'il soit tenté par Satan, for him to be tempted by Satan. Je vais simplement dire ceci. I would like to simply say this. C'est vrai. It's true. Dieu, God, veut nous enseigner quelque chose par. He wants to teach us something through that. Satan est son ennemi. Satan is his enemy. Quand il peut, par son esprit, nous envoyer devant Satan. Now, by the Spirit of the Lord, it sends us to Satan. Pour que nous soyons testés. For us to be tested. Tentés. To be tempted. Pour voir si réellement la parole est en nous. To see if really the word is in us. C'est que le Seigneur est, il est vrai, il est sérieux avec ce qu'il fait. It means that the Lord, he is serious with what he's doing. C'est que il sait que si tu n'as pas la parole en he toi, he knows that if you don't have the word in you, Satan va te détruire. Satan will destroy you. C'est que, which makes that la vie que nous avons, que nous l'avons là, the life that we have, le Seigneur ça ne lui dit rien. For the Lord, it's nothing for him. Le Seigneur veut que tu aies sa parole en toi. The Lord wants you to have his word. Le Seigneur veut you. Que tu sois dans le royaume. The Lord wants you to be in the kingdom. Voilà pourquoi il peut envoyer son esprit pour nous, il peut dire à son esprit de nous envoyer devant Satan. That is why the Spirit of the Lord sends us to Satan. Pour que nous soyons testés par Satan. For us to be tested by Satan. Qui est notre ennemi. Who is our enemy. Maintenant comprends. Now understand. Devant toi il y a ton ennemi. Before you there is your enemy. Qui vient faire le test. Who comes to test you. Pour savoir que tu as la parole en toi. To know if you have the word in est-ce you. Est-ce qu'il peut avoir pitié de toi. Can he have pity on you. Il peut jamais avoir pitié de toi. He will never have pity. Pourquoi frères et sœurs, that is why brothers and sisters, devons être sérieux. We have to be serious. Dans le royaume. In the kingdom. Amen. Amen. Nous devons être sérieux. We really have to be serious. Parce que c'est problème. Because this problem d'être dans le royaume. Of being in the kingdom. C'est problème. This problem d'être dans la parole. Of being in the word. Est vraiment sérieux. It is really serious. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur. My brother, my sister. Quel que soit le problème. Whatsoever the problem. Quelles que soient les situations. Whatsoever the situation. Quelles que soient les circonstances. Whatsoever the circumstances. Je peux te dire ce soir. That I can tell you this night. Sois dans le royaume. Be in the kingdom. Amen. Amen. Je vais directement au verset 12. I'll go to verse 12. La Bible dit ceci. The Bible says on verse 12. Parce que nous connaissons cette histoire, c'est une histoire du parabole du semeur. All of us we know this parable. It's the parable of the seed. Connaissons le début jusqu'à la voilà pourquoi pour gagner le temps et prier. We've read from the beginning, but now to earn time. Je vais au verset 12. I'd like to go to straight to verse 12. La Bible dit ceci. The Bible says this. Ceux qui sont les longs du chemin. Those by the wayside. Ce sont ceux qui entendent. Those are the ones who hear. Puis, le diable vient. Then the devil comes. Et enlève de leur cœur la parole. And takes away the word out of their hearts. De peur qu'ils ne croient. Lest they should believe and be saved. Et soient sauvés. And be saved. Amen. Amen. C'est que which makes that ce que nous devons comprendre. What we have to understand. Il y a ici ce que je vais d'abord dire. What I would like to say first. Entendre la parole de is Dieu. Is that to hear the word of God. Et comprendre la parole de Dieu. And to understand the word of God. C'est deux choses différentes. It's two different things. Tu peux entendre la parole. You can hear the word. Pour ne pas comprendre la parole. But you don't understand the word. Tu peux comprendre la parole. You can understand the word. Pour ne pas mettre en pratique la parole. But still you do not practice it. Amen. Amen. Dieu. God. Ce qu'il nous demande. What he's asking from us. Quand nous entendons la parole. When we hear the word. Nous devons comprendre la parole. We have to understand. Et nous devons appliquer la parole. And we have to apply the word. Amen. Amen. Mais ici la Bible dit. But here the Bible says. Ceux qui étaient tout au long du chemin. Those that were by the wayside. Ils ont entendu la parole. They heard the word.
Mais le diable est venu enlever cette parole dans leur cœur. But the devil came and removed that word from their hearts. De peur. So that qu'ils ne croient. They must not believe. Pour qu'ils soient sauvés. For them to be saved. C'est que which makes that le diable the devil a peur. He is afraid. Et toi et moi. Of you and I. Nous puissions croire à la for parole. For us believing in the word. Amen. Amen. Le diable a peur. The devil is afraid. Parce que le diable sait. Because the devil knows. Que si tu vas croire. That if you believe. Souviens-toi du passage que nous avons donné le dimanche de Marc 16. Remember the scriptures that we read on Sunday of Mark 16. La Bible dit c'est lui qui croira. The Bible says the one who will believe parole, in the word. Et qui sera baptisé. And gets baptized. Sera sauvé. Will be saved. Maintenant ici. Now here. Le diable a peur. The devil is afraid. Pourquoi il a peur? Why is he afraid? Si nous devons croire à la parole. If we can believe in the word. Il sait. He knows it. Que nous devrions être sauvés. That we will be saved. Voilà pourquoi il vient. That is why he comes. Pour ceux-là qui ont entendu la parole. To those who heard the word. Et qui n'ont pas compris cette parole. But they did not understand the word. Qui n'ont pas mis cette parole en pratique. But they did not practice the word. Le diable vient. The devil comes. Il les teste. He tests them. Il enlève la parole dans leur cœur. He removes the word from their heart. Pourquoi il enlève cette parole? Parce qu'il a peur. Why does he remove that word? It's because si he is afraid. Si je laisse cette parole. He says, if I leave this word. Dans la vie de cette personne. In the life of these people. Il va croire. They will believe. À cette parole. In that word. Il sera sauvé. And they will be saved. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'objectif de Satan. Which makes that the objective of Satan. C'est que toi et moi. Is for you and I. Nous ne puissions pas croire à la parole. Not to believe in the word. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Croyons à la parole. Let us believe in the word. Si nous croyons à la parole. If we believe in the word. Satan a peur. Satan is afraid. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, frères et sœurs. Listen, brothers and sisters. La faiblesse. The weakness. Des enfants de Dieu, c'est quoi? Of children of God is what? On peut annoncer la parole. The word can be announced. On peut prêcher la parole. The word can be preached. Oui, il est content. Yes, you will be happy in the church. Mais juste après l'église. But just after the service. Son frère peut seulement le piétiner comme your ça. Your brother can just step on you like that. Tu vas voir comment l'enfant you de will Dieu. You will see how the child of c'est God. C'est lui qui s'appelle sœur. The one called a sister. C'est lui qui s'appelle frère. The one called a brother. Comment il peut tonner. How he will react. Mais la parole est prêchée. But the word is preached. Écoutez mon frère, ma sœur. Listen, brothers and sisters. Le diable. The devil. Tu ne le verras pas. He will never rise. Avec sa queue. With. Avec ses cornes. With his tail and venir horns. Venir devant toi. And come to you. Pour te dire que je suis Satan. To tell you that I am je Satan. Je suis le diable. I am the devil. Non. No. Le diable. The devil. Peut incarner. He can incarnate. Un membre de ton département. A member of your department. Le diable the devil, peut incarner he can incarnate un frère de l'église. A brother of the church. Le diable the devil, peut incarner ton propre mari. He can incarnate your own husband. Le diable the devil, peut incarner can incarnate ta propre femme. Your own wife. Le diable the devil, peut incarner he can incarnate tes propres enfants. Your own children. Pourquoi? Why? Il a peur. He is afraid. Si la parole if the word demeure en eux remains in you ils seront sauvés. You will be saved. Alors écoutez frères. Now listen brothers and sisters. Vous trouverez les frères et sœurs dans l'église. You will find brothers and sisters in the church. Ils n'ont même pas le temps de se pardonner. They don't even have time to forgive each other. Mais ils viennent écouter la parole. But they come to listen to the word. La parole a été prêchée. The word was preached. Juste après la parole. Just after the word. Incapable de pardonner son frère. Unable to forgive the brother. Incapable de pardonner sa sœur. Unable to forgive the sister. Ce travail-là, ma sœur, mon frère. That work, my brothers and sisters. Comprends seulement. Just understand. Le diable est devant moi. The devil is in front of me. Amen. Amen. Travail du diable, hein? The work of the devil enlever la parole is to remove the word pour que toi et moi for you and I nous ne puissions pas croire not to believe parce qu'il sait
Because he knows. Si nous croyons, if we believe, nous serons sauvés. We are going to be saved. Amen. Amen. C'est ça le problème. That is the problem. Voilà pourquoi si la parole est annoncée. That is why if the word is announced. Voilà pourquoi quand on enseigne la parole. That is why if the word is taught. Entends la parole. Hear the word. Comprends cette parole. Understand the word. Mets la parole en pratique. Put it into practice. Parce que si tu pratiques déjà la parole. Because if you practice the word already. Tu vas te développer dans la parole. You will develop yourself in the word. Tu vas te développer dans la parole. You will develop in the word. Il n'y aura pas moyen. There won't be any way. Que Satan vienne. That Satan will come. Enlever cette parole en toi. And remove that word in you. Amen, Église. Amen, Church. Alléluia. Amen. La Bible ajoute et dit ceci. The Bible adds and says. Ceux qui sont sur le roc. Those that fall, verset 13, yes. Those that fall on the rock. Ce sont ceux qui. Are those who. Lorsqu'ils entendent la parole. When they hear. La reçoivent avec joie. Receive the word with joy. Mais ils n'ont point de racine. And these have no root. Ils croient pour un temps. Who believe for a while. Et il succombe au moment de la tentation. And in time of temptation, fall away. Mon frère, ma soeur. My brothers and sisters. Ça, c'est une deuxième catégorie de gens. This is the second category of people. Ils reçoivent la parole. You receive the word. Mais cette parole. But that word. Est reposée sur les rocs. It is placed on a rock. Mais les rocs. Comment peux-tu t'enraciner dans la parole? Now, you're the rock. Now, how can you be rooted in the word? Il n'y a pas moyen que tu portes des racines There's dans la parole. There's no way to, for you to bear roots in the rock. Amen. Amen. Parce que sur le roc, il n'y a pas de racines. Because on the rock, there are no roots. Maintenant, comprends, frères et sœurs. Now, understand, brothers and sisters. Le roc lui-même, c'est quoi? The rock itself, what is it? Le roc. A rock. Dans la vie de ceux-là qui reçoivent la parole, maman de. In the life of those who receive the word. C'est le moi. It's the me. Moi. Me. Il y a des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. There are people who are full of themselves. À tel point qu'il n'y a plus la place. To a point whereby there is no place. Où la parole. For the word. Peut porter des racines. For the word to bear roots. Il est rempli de lui-même. They are full of themselves. Le moi, le moi. The me, me. On peut prêcher la parole. The word can be preached. Pour lui. For him. Cette parole concerne une certaine catégorie de gens. This word is for a certain category of people. Oui. Yes. On peut apporter les enseignements. We can bring teachings. Pour lui. For him. Il a ses propres habitudes à lui. He has his own habits. Ces choses-là qui sont en toi. Those things that are in you. Ces choses-là qui te remplissent, ma sœur, mon frère. Those things that are filling you, brothers and sisters. C'est le roc. That is the rock. Parce que tellement que tu es rempli de toi-même. You are so full of yourself. Tellement que tu es rempli de ta connaissance. Such that you are full of your own knowledge. Il n'y a plus place. There is no space. Où la parole de Dieu. For the word of God. Peut se positionner en toi. Where it can be placed in you. Amen. Amen. Il y a certaines personnes. There are certain people. Oui, il est rempli de ses diplômes. They are full of their degrees. Il y a certaines personnes. There are certain people. Il est rempli de son travail. They are full of their jobs. Il y a certaines personnes. There are certain people. Qui ne peuvent même pas prêter l'oreille. They cannot even allow you. À un évangéliste. Allow an evangelist. Quand il s'approche de lui. When they come towards. Pour lui apporter la parole. To listen to Pourquoi? Their word. Why? Il est rempli de son Because travail. They are full of their own work. Il est rempli de son confort. They are full of their comfort. Mais écoute, ma sœur, mon But frère. Listen, my brother, my sister. La parole de Dieu. The word of God. Nous devons la saisir. We have to seize it. Amen. Amen. Ces gens ici. Yeah. La parole est prêchée. The word is preached. Mais la parole a trouvé le roc en elle. But the word finds a rock. Oh, quand on prêche la parole. When the word is preached. Il faut que cette parole se positionne en nous. That word has to be positioned Écoutez, in us. Écoutez mon frère, ma sœur. Listen, brothers and sisters. Beaucoup de chrétiens. Many Christians. Sont des herbes. They are grass. Des herbes.
They're like grass. Ils peuvent être enlevés avec les mains facilement. They can be uprooted just by le vent peut les enlever facilement. Even the wind can even uproot un vrai enfant de Dieu. A true child of God doit avoir la racine dans la parole. Have roots in the word. Il doit s'enraciner dans la must parole. Be you must be rooted in c'est the ça un vrai enfant de Dieu. That is to be a child la of God. Parole en toi. The word in you. Tu te développes dans la parole. You develop in the word. Tu t'enracines dans la parole. You root yourself in the n'importe word. N'importe quel vent frère. Whatsoever wind ne pourra te détruire. Will never be able to destroy pourquoi? You. Why? Tu t'es enraciné because dans you la parole. Are rooted. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui. But there are Christians today. Qui sont des herbes. They are like grass. Le vent l'enlève facilement. The wind just blows you easily. Un enfant peut venir l'enlever facilement. A child can even come and just uproot you simple easily. Herbe. Simple, chrétien. But a Christian. Un véritable enfant de Dieu. A true child of God. Qui a la parole. There is the word. Qui se développe dans la parole. They develop in the word. Doit porter des racines. And you must bear roots. Dans la parole. In the word. Voilà pourquoi frères et sœurs. That is why brothers and sisters. Si tu peux laisser place en toi à la parole. If you can leave space for the word in you. Pour que la parole puisse s'enraciner en for toi. For the word to be rooted in you. Oui. Yes. Le roc. The rock. N'aura pas de place en toi. Will not have place in you. Alléluia. Amen. 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 Les habitudes des fois que nous portons. Sometimes the habits that we have. Peuvent nous remplir. They can fill us up. Peuvent nous remplir. They can fill us up. N'oublie pas. Do not forget nous sommes en train de parler that we are speaking de l'Esprit de Dieu qui t'envoie vers Satan. Of the Spirit of God sending you towards Satan, and Satan puisse te tester. Tests you. Écoute, frère, listen, my brother, le comportement que tu as, the behavior that you have, tu, si tu es rempli de toi-même, you are full of yourself, c'est Satan qui te parle. It's Satan speaking to you. Satan te parle. Satan is speaking to you. Tu te suffis toi-même. You feel you are enough for yourself. Satan te parle. Satan speaks to you. Toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un. You don't need anyone. C'est Satan qui te parle. It's Satan speaking to you. Mais tu ne parviens pas à comprendre. But you will never understand. Que j'ai reçu la parole. That I received the word. Tu dois comprendre que la première chose. You must understand that the first thing. Cette parole sera testée par Satan. That word must be tested by Satan. Beaucoup de personnes tombent. Many people fall. Pourquoi? Why? Ils sont remplis d'eux-mêmes. They are full of themselves. Mais ils ne comprennent pas comme je suis rempli de moi-même. And they don't understand that since I'm full c'est of myself. Satan. C'est Satan qui m'a rempli. It's Satan who filled me up. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Demeure dans le royaume. Let us remain in the kingdom. Et si tu es dans le royaume. If you are in the kingdom. Laisse que cette parole, tu te développes dans la parole. Develop yourself in that word. Très important. Very, very important. Très important, frères et sœurs. Very important, brothers and sisters. N'accepte jamais. Never accept. Une situation de la vie. A situation of life. N'accepte jamais, frère. Never accept, my brothers. Un certain comportement. A certain behavior. Qui te remplit toi-même. That fills you. Et qui peut t'empêcher. And it can hinder you. D'avancer dans le royaume. To go forward in the kingdom. Amen. Amen. Combien de gens aujourd'hui? How many people today? Parce qu'il est dans le confort. Because they're in comfort. Il ne peut même pas accepter quand il voit un évangéliste à pied. They cannot accept when they see evangelists coming. Veux lui aborder à propos de la parole. Bringing them the word. Il ne peut même pas le regarder. They can't even look at them. Pourquoi? Why? Il les regarde d'abord. They look first. C'est comme il est. The way they are. Pour lui dans sa tête. For him in his own mind. C'est un mendiant. This is a beggar. Il veut chercher l'argent. He's looking for money. Écoute frère. Listen my brother. Entre dans le royaume. Enter in the kingdom. Amen. Amen. Entrons dans le royaume. Let us enter in the kingdom. Si nous entrons dans le royaume, if we enter in the kingdom, nous aurons la sécurité. We will have security. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La troisième catégorie des gens. The third category of people. La Bible dit. The Bible says. Ce qui est tombé parmi les épines. Now the ones that fell among thorns. Ce sont ceux qui. Are those who.
ayant entendu la parole, when they have heard, s'en vont, go out, et la laissent étouffée par les soucis, and are choked with cares, par les richesses, riches, et les plaisirs de la vie, and pleasures of life, et ils ne portent point de fruits, and bring no fruit, qui viennent à maturité. To maturity. Vous savez, si nous sommes dans le royaume, you know, if we are in the kingdom, nous devons porter les fruits, we have to bear fruit, parce qu'il faut que nous puissions nous développer dans la parole, because we have to develop in the word. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la catégorie de ces gens, the category of these people, Jésus dit, Jesus says, c'est comme une semence lancée parmi les épines. It's like a seed that has been thrown among the thorns. Une parole prêchée, which makes that a preached word, dans la vie d'une personne, in the life of a person, qui est entourée des épines, who is surrounded by thorns. Alléluia. Amen. Alors, cette parole qui est entourée des épines, a word surrounded by thorns, quand elle va chercher à croître, when it will want to grow, elle sera étouffée par les épines. It will be suffocated by the thorns. Amen. Amen. Maintenant, écoute, frère. Now listen, my brother. Ces épines, the thorns, tu peux te développer dans la parole avec les épines. You can develop yourself in the word, but montes, in the thorns, you rise, montes, you rise, you en rise. Moment, at a certain time, tu seras étouffé. You will be suffocated. Tu seras étouffé. You will be suffocated. Il y a des gens, there are people, quand on prêche la parole, when the word is preached, ils ont les soucis dans leur cœur, they have worries in their hearts, par rapport à leur vie, about their lives. Écoutez, frères et sœurs, listen, brothers and sisters, cette parole de l'écriture, this word in the scripture, a tout. It has everything. Si on te prêche la parole, if the word is preached to you, toi, tu as les soucis en toi. But you have worries in you. Si on te prêche la parole, if the word is preached to you, toi, tu as des inquiétudes en toi. But you have worries in you. Si on te prêche la parole, if the word is preached to you, même par rapport à ta richesse, not even your own riches, non, non, par rapport à ta richesse, now your own riches, tu ne parviens pas, you won't even be able, à accepter cette parole, to accept that word. Amen. Amen. Les plaisirs de ce monde, the pleasures of this world, t'empêchent, hinder you, pour accepter cette parole, to accept that word. C'est cette parole qu'on dit, that's the word that says, elle a été libérée, it was released, dans les épines, in the thorns, parmi les épines plutôt, among the thorns. Elle peut avancer, it can go forward, elle peut progresser, it can progress, mais à un certain moment, but at a certain time, elle sera étouffée, it will be suffocated, elle sera étouffée. It will be suffocated. C'est pour dire quoi? It's to say what? Écoute, mon frère. Listen, my brothers. Écoute, ma sœur. Listen, my sister. La richesse de ce monde, the riches of this world. D'abord, la Bible dit, first of all, the Bible says, dans Marc 10, in Mark 10, Marc 10, Mark 10, 23-24, verse 23, on peut lire vite, pour parler des richesses. Parler de la richesse. It speaks of riches. Mark 10 from verse 23. Okay. Then Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. Mm-hmm. 24. And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter in the kingdom of God. La Bible dit, the Bible says, Jésus leur dit, Jesus said to them, mes enfants, le verset 14 et 24 plutôt, verse 20, 24, verse 24, mes enfants, my children, qu'il est difficile, it is difficult, à ceux qui se confient dans les richesses, for those who trust in riches, d'entrer dans le royaume de Dieu, to enter the kingdom of God. C'est ce que nous avons dit ici. That's what we said. Il y a des gens,
there's already qui sont déjà confiés dans les richesses. People who have trusted in riches. Tu peux lui amener la parole. You can bring them the word. Tu peux lui apporter la parole. You can bring them the word. Pour lui, ça ne lui dit rien. For them, it means nothing. Ça ne lui dit rien. It means nothing. Souvenez-vous de l'exemple que le père avait donné la fois dernière. I'll give an example that we were given the other time. De ces riches personnes qui est mort à Santon. Of the rich man who died in Santon. Qui lui disait, non, je vais cesser de fumer. He was saying, I will stop smoking 3 days after my death. Il s'est moqué de Dieu. He was mocking God. Et qu'il était riche. The man was very rich. Qu'il comptait sur sa richesse. He was counting on his riches. Il comptait sur ses biens. He counted on his goods. Il n'était pas capable. He was not even able d'accepter la parole de to Dieu. Accept the word of God. Amen. Amen. Frères, ma brothers, soeur, my sisters. Des fois, sometimes, la richesse. The riches. Peut nous conduire très mal. They can lead us badly. La richesse. Riches. Peut nous dérouter. Can redirect us. La richesse. Riches. Peut nous amener en enfer. Can take us to hell. Amen. Amen. Des riches personnes. Rich people. C'est pourquoi Jésus dit. That is why Jesus says. Difficile. It is difficult. Pour un homme riche. For a rich man. D'entrer dans les royaumes. To enter the kingdom. Il compte sur ses biens. Which makes them they are trusting in their goods. Cette semence, cette parole. Now the word. Qui lui est prêchée. That is preached. Une parole est prêchée et lancée parmi les épines. It's a word thrown among the thorns. C'est-à-dire, la parole peut progresser. The word can progress. Mais à un certain temps, but at a certain time, elle sera étouffée. It will be suffocated. Pourquoi? Why? La personne the person compte sur ses biens. Counts on his own goods. Il compte sur sa richesse. He counts on his riches. Il n'a pas besoin de la parole he de doesn't Dieu. Need the word of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, my brother, my sister, nous devons demeurer dans le royaume. We must remain in the kingdom. Demeurons dans le royaume. Remain in the kingdom. Il y a des gens qui comptent sur leurs efforts. There are people who count on their efforts. Il y a des gens qui comptent sur leurs connaissances. There are people who count on their knowledge. Mais s'il s'agit de la parole, but now if it's about the word, il n'est pas là. They are not there. Amen. Amen. Mon frère, my brother, ma soeur, my sister, sois dans le royaume. Be in the kingdom. Amen. Amen. Comprends. Understand. Satan, il est devant toi. He is in front of you. Tester la parole en toi. To test the word in you. Je dis que Satan, I say Satan, tu ne le verras pas avec des cornes. You will never see Satan with his horns. Satan peut incarner. He can incarnate. La personne que tu manges avec. The person that you are eating with every day. Satan peut incarner. He can incarnate. Ton ami intime. Your friends. Satan peut incarner n'importe qui. Can incarnate anyone. L'objectif. The objective. Tu ne crois pas cette parole. Is for you not to believe in the word. Amen. Amen. Parce qu'il a peur. Because he is afraid. Tu vas croire. That if you believe. Tu seras sauvé. You will be saved. Mais si tu es sauvé, but if you are saved, tu vas l'attaquer maintenant. You will attack him now. Et tu vas l'écraser. And you will crush him. C'est pourquoi Satan a peur. That is why Satan is afraid. Voilà pourquoi il est très important, frères. That is why it is very important, brothers and sisters. Et nous demeurions dans le royaume. To remain in the kingdom. Très important, ma sœur. Very important, my sisters. Que nous puissions développer dans la parole. For us to develop in the word. Si nous développons dans la parole, if we develop in the word, nous aurons des racines. We will have roots in us. Et n'importe quelle tentation viendra, and any temptation that will come, ne pourra jamais nous succomber. It will never ever make you fall. Tu ne tomberas jamais. You will never fall devant n'importe quelle tentation. Before any temptation. Nous tombons pourquoi? Why do we fall? Parce que nous entendons seulement la parole. Because we only hear the word. Mais nous ne mettons pas cette parole en pratique. But we don't practice the word. C'est là où la faiblesse des chrétiens. That is the weakness of Christians. Je vous dis la vérité, frères. I'm telling you the truth, brothers and sisters. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Que chacun de nous, tel que nous sommes là, each one of us, as we are here, entre en lui-même. Enter in yourself. Il voit des fois il y a des petites choses, sometimes there are even simple choses little seulement. Things, very simple. Mais vous pouvez grandir ça. But if you, vous pouvez grandir ça. You make them grow. Et ça peut détruire beaucoup de choses. And they can destroy a lot of things. Or, c'est quelque chose de très simple. It's something that can be very simple. Tu peux seulement demander pardon à ton frère. That you can even ask for forgiveness from demander your brother. Pardon à ta sœur. You ask for forgiveness vous from your sister. You forgive each other. Des frères et des sœurs. There are even brothers and qui sisters n'acceptent même pas le pardon. Who do not accept forgiveness. Mais quelle est cette parole que toi tu as? What is that word that you have in you?
Quelle est cette parole? What is that word? La parole est prêchée tous les jours. The word is preached every day. On prêche la parole. Preach the word. Entrons dans le royaume. Enter in the kingdom. Pour entrer dans le royaume. To enter in the kingdom. Transformons notre âme. Transform our souls. L'âme doit être transformée. The soul must be transformed. Pour que tu entres dans le royaume. For you to enter in the kingdom. Tous les jours. Every day. Comme le Père le dit. As the Father said it. Vous écrivez beaucoup. You are writing oui, a lot. Nous écrivons beaucoup. Yes, you write a c'est lot. Une bonne chose. It's a mais good thing. Mais est-ce que ce que nous écrivons? But what you are writing. C'est ce que nous avons entendu. Is it's what you heard? Maintenant, ce que nous avons entendu. Now what you heard. Est-ce que nous avons compris ça? Did we understand pour it? Mettre ça en pratique. To practice it. C'est ça le vrai problème. That is the true problem. Amen, Église. Amen, Church. Alléluia. Amen. Oui. Yes. Un simple pardon. A simple forgiveness. Il n'y en a pas. We don't have it. Pourquoi? Why? La parole. The word. Tout ça, c'est le diable. All that, it's the devil. Le diable. The devil. Refuse que tu pardonnes à ton refuses frère. Refuses you to forgive your brother. Oh. Jésus a dit, si vous voulez prier. Jesus said, if you want to pray. Notre Père. To our Father. Mais notre Père avec maman de. But now our Father. Si je suis en conflit avec elle. If I'm in conflict si with her. Si je ne suis pas capable de pardonner maman de. If I'm not able to forgive her. Quelle est cette parole? What is that word? Qui est en moi? That is in me. Que je peux maintenant prier. That I can say, let me notre pray. Notre Père. To our Father. Il n'est Father. Pas notre Père. He is not our il Father. Il est ton Père à toi. He is your own Father. Parce que tu ne le partages pas avec l'autre. Because you are not sharing with the other. Entre toi et l'autre. In between you il n'y a and pas l'entente. Person, there is no understanding. Amen. Amen. Frères, brothers, ma sœur, my sisters, demeure dans le royaume. Remain in the kingdom. Alléluia. Amen. Il y a des fois des gens. Sometimes there are ils viennent à l'église. They come to church. Ils ne se parlent pas. They don't speak to each other. Ils ne se parlent pas. They don't speak to each other. Non, je l'évite. Ah, I'm avoiding her. Je l'évite. I'm avoiding her. Parce que lui et moi, on ne s'entend pas. Me and her, we don't get along. Tu ne t'entends pas. You don't get along. Avec ta sœur. With your sister. Avec ton frère. With your brother. Écoute mon frère, ma sœur. Listen, my brother, my sister. Si tu ne peux pas t'entendre avec ta sœur. If you cannot get along with your sister. Dans le Seigneur. In the Lord. Tu t'entendras avec qui? You will get along with who? La Bible dit. The Bible says. S'il a un bien à faire. If there is something good to do, nous devons le faire we have to do it à nos frères, to our brothers à nos sœurs, and our sisters dans le Seigneur. In the Lord. Amen. 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 C'est que s'il y a un travail, which makes that if there is tu peux donner à quelqu'un, that you can give to donne someone, ce travail-là, give that work à ton frère, to your brother, à ta sœur, to your sister, dans le Seigneur, in the Lord, c'est la parole de Dieu. It's the word of God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour ce travail là frères et sœurs. Now for that work brothers and sisters. C'est le diable. It's the devil. Et tu ne sauras pas. And you will never know. Que c'est le diable. That it's the devil. Qui teste ma parole. Testing my word. C'est le diable. It's the devil. Qui me teste. Testing pour me. Voir to see si j'ai la parole ou pas. If I have the word or not. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, my brother, my sister, nous devons tirer attention. We have to be very careful. Je vous ai dit au début ici, I told you le at the diable the devil ne peut jamais venir will never come avec des cornes with horns pour que tu le voies. For you to see Satan vient m'attaquer. Satan non! Comes to attack me. No. Il va incarner. He will incarnate même la personne even a person que tu ne peux pas t'imaginer. That you cannot imagine. Même la personne que tu peux pas t'imaginer. A person that you cannot imagine. Ça c'est le diable. That is the devil. Voilà pourquoi on l'appelle le rusé. That is why he is called le the diable deceptive a la ruse. He is very deceptive. Amen. Amen. Si le diable if the devil peut convaincre Adam et Eve. Can convince Adam and Eve. Amen. And Dieu le Père God the Father vient à Adam et Ève. Comes to Adam and Eve. Il leur dit, he tells them, vous pouvez manger tous ces fruits. You can eat all this fruit. Mais pour ça, ça, but this and that one, ne touchez pas. Don't touch. Mais le diable peut but venir. The devil comes. Il convainc. He convinces them. Amen. Amen. Accomplis votre mission, toi et moi. How much more you and I? Frères et sœurs. Brothers and sisters. Le diable. The devil. Il a des ruses. He is very deceptive. Il peut incarner une personne. He can incarnate a person. Et tu ne peux pas t'imaginer. And you cannot imagine. L'objectif. The objective. Tu ne crois pas. Is for you not to believe. Si tu crois. If you believe.
Tu vas être sauvé. You will be saved. Et si tu es sauvé, if you are saved, tu vas l'écraser. You will crush him. Il sait. He knows. Il ne peut jamais commencer à combattre avec toi. Non. He will never start fighting with you. No. Lui son problème. Him, his problem. Je commence ici. Bon, la parole d'abord. Okay, the word is il faut here. Pas qu'il croie à cette parole. He must not believe in this parce word. Que s'il va croire à la because parole, if he believes in the word, il sera fort. He will be strong. Il sera baptisé. He will get baptized. Et il sera sauvé. And he will be saved. S'il est déjà sauvé, if he's already saved, Satan ne saura rien. Satan will do nothing. Amen. 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 Parce que si on est sauvé, because if we are saved, on va appliquer la parole de l'Écriture. We will apply the word. Nous combattons dans la victoire. And we will fight in victory. Même s'il t'attaque, even if he attacks you, toi, tu te tiens seulement debout, you will just stand up and you declare, il est détruit. And he'll be destroyed. Why? Tu es dans le royaume. You are in the kingdom. Amen. Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, that is why, brothers and sisters, ne perd jamais le temps, never waste time, pour abandonner le royaume. Abandoning the kingdom. Demeurons dans le royaume. Let us remain in the kingdom. Développons let us dans le royaume. In the kingdom. Développons dans la parole. Let us develop in the word. Quand nous développons dans la parole, when we develop in the word, Satan, quand il viendra tenter, when he will come to tempt, il va trouver he will find que nous sommes enracinés. That we are rooted. Si tu es enraciné, if you are rooted, aucune tentation, there is no temptation, aucune tentation, no temptation, ne pourra te faire tomber. Will make you fall. Alléluia. Amen. 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 La Bible continue de dire. The Bible continues to say. Ce qui est tombé dans la bonne terre. What fell on good ground. Ce sont ceux qui. Are those who. Ayant entendu la parole. Having heard the word. Avec un cœur honnête et bon. With a noble and good heart. La retienne. Keep it. Et porte des fruits avec persévérance. And bear fruit with patience. Amen. Amen. Tu portes des fruits avec persévérance. Bearing fruit with patience. C'est que si la parole. Which makes that if the word. Elle tombe dans la bonne terre. Falls on good land. C'est que la parole est prêchée à une personne. Which makes that the word is preached to a person. Dans son cœur. In his heart. Il n'y a plus le moi. There is no me. Dans son cœur. In his heart. Il n'y a plus le doute. There is no doubt. Dans son cœur. In his heart. Il n'y a plus son intelligence. There is no his own cette intelligence. Personne. That person. La parole quand elle vient. The word when it comes. Elle se dépose. It is placed. En cette personne. In that person. Amen. Amen. La personne reçoit cette parole. The person receives that word. Avec la Bible dit ici cette personne avec honnêteté. C'est qu'il est honnête. The Bible says the person is noble. Et il est bon. And he is good. Amen. Amen. Il retient cette parole. And he keeps the word. C'est que quand la parole est venue, il comprend la parole. Now when the word comes, he understands the word. Il commence à se développer dans la parole. He begins to develop in the word. Et quand il se développe dans la parole, when he develops in the word, il porte les fruits. Now he bears fruit. Alléluia. Amen. C'est ça une parole. That is a word qui est prêchée dans la bonne that terre. Is preached. Très chers frères et sœurs. On good land. Brothers and sisters. Comprenons ces choses. Let us understand these things. Le diable est là. The devil is there. Tester la parole. To test the word. Mais si la parole est prêchée, si ton cœur est une bonne terre. But if your heart is a good land. Et on a apporté une bonne parole. And a good word has been brought to you. Et tu as accepté cette parole avec. And you accepted that word. Bonté et honnêteté. With a goodness and honesty. Tu as compris cette parole. You understood that word. Tu as commencé à mettre en pratique cette parole. You began to practice that word. Tu as commencé à te développer dans cette parole. You began developing in that word. Tu vas porter les fruits. You will bear fruit. Tu vas porter les fruits. You will bear fruit. Et le trône. And the throne. Sera content de toi. Will be happy with you. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais ce soir, mon frère, ma soeur. This night, brothers and sisters. Nous sommes en train d'aller. On va plus lentement, lentement. We are going very slowly. Pour que tu comprennes. For you to understand.
Tu comprends mon frère, ma sœur? For you to understand, my brothers and sisters. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette église. There are many teachings in this church. Le père a pris toute une semaine sur ces choses. The father took a whole week on these teachings. Mais écoute. But listen. J'étais en train de préparer ce travail. I was preparing for this work. Le père m'appelle, il me donne une vision. The father called me and gave me Mais a vision. Mais papa Philippe, priez sur ça. He said, Papa Philippe, pray about this. Aujourd'hui, vous devez prier. Today you have to pray. Prenez le temps de prier. Take time in prayer. Parle à l'église. Speak to the church. Les gens sont dans leurs habitudes. People are in their habits. Les gens sont dans leur façon de voir les choses. People are in their own way of seeing things. Les gens sont dans leur comportement. People are in their behavior. Les gens ne changent pas. People are not changing. Malgré les enseignements qu'on donne à l'église. Regardless the teachings that we are giving them in the church. Il n'y a plus de changement. There is no more change. Priez sur ça. Pray about that. Et parle à chacun. Speak to everyone. Il est victime de lui-même. That you are a victim of yourself. C'est que parce que on prêche la parole. We preach the word. Les gens s'habituent à la parole. People are getting used to les the word. Les gens ne changent pas. People are not changing anymore. Okay. Mais priez. But let us pray. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Transformons-nous. Let us transform ourselves. Ne faisons pas semblant. Let us not pretend d'être dans le royaume to be in the kingdom si on n'est plus dans le royaume. While we are no longer in the kingdom, soyons dans le royaume. Let us be in the kingdom. Amen. Amen. Satan, il te connaît bien. He knows you very well. Satan, quand il va venir, when he will come, tester la parole, to test the word, ne crois pas qu'il va avoir pitié de toi. Don't think he will have pity on you. Amen. Amen. Satan, quand il vient, Satan, when he c'est pour comes, te récupérer it's to take you si tu n'es pas dans la parole. If you are not in the word. Voilà pourquoi, frères et sœurs, that is why, brothers and sisters, soyons un peu capables. Let us be a bit able, soyons un peu libres. Let us be a little bit free de comprendre ces choses. To understand s'il faut pardonner à ton frère, if you have to forgive your brother, pardonne-le. Forgive. Tu ne perds rien. You lose nothing. Qu'est-ce que tu peux perdre en pardonnant what ton frère? What can you lose by forgiving your brother? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu peux perdre? What can you lose? Ah, bon, le problème est venu. The problem came. À comprendre ça comme bon, ça va. Ça now va. Understand it. Then qu'est-ce que fine. Tu perds? What do you lose? Frères. Brothers. Demeurons dans le royaume. Let us remain in the word. L'église prêche la parole. The church preaches the word. Mais les gens ne sont pas transformés par la parole. But people are not transformed pourquoi? By the word. Why? Les gens people are getting used to the church. Amen. Amen. Mais le diable ne joue pas. But the devil does not play. Il ne joue pas. He does not play. Il ne joue pas. He does not play. Alors comprenons ces choses. Now let us understand those things. Changeons. And change. Est-ce que nous pouvons dire amen? Can we say amen? Changeons, frères et sœurs. Let us change, brothers and sisters. Portons les fruits. Let us bear fruit. Portons les fruits dans le royaume. Let us bear fruit in the kingdom. Que la parole qui est prêchée, the word that is preached, ne soit pas prêchée sur les rocs. Let it not be preached upon a rock. Ne soit pas prêchée parmi les épines, non, frère. Let it not be preached on thorns. Qu'elle ne soit même pas prêchée tout au long de la rue, non. Let it not be preached by the wayside. Pourquoi le diable viendra? Why? Because the devil will come. Si il va tester la parole. If he will test the word. Et il va trouver que non, c'est simplement il a entendu. You will feel that you only heard mais it. Il n'a même pas compris. But you didn't understand it. Le diable. And the devil. Va te ramasser. He will take you away. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons prier? Can we pray now? La vision que papa m'a donnée. The vision papa gave me. Papa a vu qu'il y a les personnes à l'église. He saw the people in the church. Qui ne changent pas malgré les enseignements. Who are not changing regardless the teachings. Ils ne changent pas leur comportement. They are not changing the behaviors. Ils ne changent pas leur façon d'être. They are not changing the way of being. Ils ne changent pas leur manière d'être. They are changing their way of being. Ils ne changent pas leurs habitudes. They are not changing their habits. Ils sont là dans l'église. They are in the church. Ces gens-là. Those people. Si tu ne changes pas.
If you don't change, si tu ne te développes pas, if you don't develop, par rapport à tous ces enseignements, about all these teachings, comprends seulement, just understand, tu es déjà récupéré, that you are already taken par back les puissances de ta famille, by the powers of your family. Pourquoi ils sont récupérés? Why are you taken parce back? Qu'ils ne veulent pas changer. Because you don't want to change leur comportement ou your les behavior habitudes and your habits. Alors, ils deviennent maintenant. Now you have become le point de contact. The point of contact. Comprenez-moi très bien ce que. Understand me very well in what I'm saying. Ma sœur, my sister, mon frère, my brother, je te parle. I'm speaking to à l'église, you. The church. Tu n'as pas d'amis. At church, you don't have a friend. Tu n'as pas d'amis. You don't have a friend. Son frère et sœur en Christ. We are all brothers and l'église sisters qui nous a in Christ. Réunis. It's the church that qui nous a réunis. That gathered us. Comprends. Let us understand ce que nous te disons. What you are told. Ces personnes-là now those people deviennent les points de contact, they have become a point of contact entre les puissances between the powers de nos familles of our families et nous. And us. C'est-à-dire quoi? What does it mean? Nous prions avec eux. We are praying with you. Nous prions avec eux. We pray with you. Ils deviennent un pont. But now they have become a bridge de ceux qui attaquent l'église. To those who are attacking the church. Est-ce que vous me comprenez bien? Do you understand me very well? Parce que nous voulons prier. Il faut because we want to pray il faut now. Comprendre I want you to understand pourquoi tu vas prier. Why, how you are going to pray. Ces gens-là, those people, ils sont dans l'église. They are in the church. Ils ne changent pas. But they are not changing. Ils deviennent now they have become un point de contact, a point of contact entre les puissants de nos familles between the powers of our families et nous. And us. C'est-à-dire quoi? What does it mean? Comme nous prions ensemble, as we are praying together, ils deviennent des ponts. They have become a bridge pour ceux-là qui attaquent l'église. To those who are attacking the church. Amen. Amen. C'est-à-dire, it means ils sont utilisés they are used par les forces du mal by the evil powers pour attaquer l'église. To attack the church. Amen. Amen. On parle de l'église. When we speak of the church, on parle de toi. We speak of you. On parle de moi. We speak of me. L'église, ce ne sont pas les chaises. The church is not the chairs. Comprends? Understand? Quand tu viens à l'église, when you come to church, ne te fais pas d'amis. Don't be in friendships. Ce sont tes frères et sœurs. Everyone is your brother and your sister. Tu peux saluer ton frère. Greet your brother. Tu peux bien parler à ton frère. Speak to your brothers. Mais ne crée pas les amitiés. But do not create friendships. Amen. Amen. Alors, parce que nous voulons prier, because we want to pray, quelle est l'intention de prier? What is the prayer intention? J'aimerais, quand nous allons nous tenir debout prier, when we will stand up to pray, prie. Pray. Mon frère prie. My brother pray. Ma sœur prie. My sister pray. Ne joue pas. Do not play. Ces choses nous concernent tous. These things concern us all. Quand on dit l'église est attaquée, when we say the church is attacked, quand on dit l'église est infiltrée, when we say the church is infiltrated, comprends que ta vie, understand that it's your life, ma vie, and my life, est concernée. That is concerned. Amen. Amen. Alors ne t'aimais pas les boules à commencer à, au lieu de prier, tu ne pries pas, tu marches. Non, prie. Now, at the time of praying, you start with just walking around, you're not even talking. Amen. Pray. Nous allons prier le Seigneur. We are going to pray to the Lord. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? What are we going to say to God? D'abord, l'esprit de ces gens-là. First of all, the spirits of those people ne va pas nous toucher. Will never touch us. Et toucher à l'église. Or touch the church. Amen. Amen. Ces gens-là. Those people. Ils ne vont pas nous avoir. They will never have us. Amen. Amen. Tout c'est lui. Everyone. Qui résiste à la parole de Dieu. Who resist to the word of God. Même inconsciemment. Even unconsciously. C'est-à-dire. It means. Si ces gens-là. If those people. Sont utilisés inconsciemment. They are being used unconsciously. Nous allons les écraser. We are going to crush them. Amen. Amen. Il n'y a pas question ici de papa. Here it's not a matter of papa. De maman. Or mama. De l'enfant. Or your child. Nous allons détruire. We are going to destroy. Personnes, every person, même si tu es utilisé inconsciemment, even if you are used unconsciously, même si tu sais que non, tu sais que tu n'es pas utilisé mais tu es utilisé, you know that you are not used but you are being used. Ah, nous t'écrasons. We are crushing. Amen.
Amen. Parce que si lui est inconsciemment utilisé, because if you are used unconsciously, il peut te tuer. You can be killed. Dans son inconscience. In that unconsciousness. Parce qu'il est utilisé, il ne connaît pas qu'il est utilisé. You are being used and you don't know that you are being used. Il vient, il attaque l'église en désordre. You come and you attack the church in disorder. Il peut attaquer ta vie. You can attack other people. Il peut attaquer tes enfants. You can attack your children. Alors son inconscience ne nous dit rien. Now the unconsciousness of a person toi, doesn't mean arrête anything. You stop écrase. And crush. Amen. Amen. Nous allons appeler le feu du Saint-Esprit. We are going to call the fire of the Holy Spirit. Tout ça, c'est que je vous des intentions de prière. All that I'm telling you, these are the prayer intentions. Quand tu te mets debout, when you will stand up, prie le Seigneur. Pray to the Lord. Prie le Seigneur, frère. Pray to the Lord, my brothers. Les gens viennent à l'église. People come to church. Les gens ont des problèmes. People have problems. Il faut que les solutions se fassent voir. They need solutions. Mais il n'y a pas de solution. But there are not solutions. Why? Infiltration. Nous sommes infiltrés. We are infiltrated. Oui. Yes. Si toi tu es utilisé. If you are used. Pour nous attaquer inconsciemment. To attack us unconsciously. Nous allons arrêter ton travail ce we soir. We are going to stop that work this Est-ce night. Que tu peux dire amen? Can you say amen? Tu peux dire amen? Can you say amen? Comment vous dites un amen faible comme ça? Why are you vous saying êtes, a very weak vous, c'est amen? C'est vous qui nous attaquez ou comment? Are you the one attacking or what? Vous êtes parmi ceux qui nous attaquent. On va vous écraser ce soir. If you are among those who are attacking you, will be crushed. Vous n'avez pas la colère que j'ai quand le père m'a dit ça. J'ai une colère. J'ai dit en bon. Like the father said that he has an anger. Nous attendons nos bénédictions et ce sont. As we are waiting for blessings, nous allons les écraser. We are going to crush. Écoutez, même si tu ne dis pas amen. Even if you don't say amen. On va prier. We are going to pray. Ah. On va prier. Tu crois que quand tu dis pas amen, on va prier. You think when we don't say amen, then we're not going to pray. We will pray. Amen. 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 Nous tenons debout maintenant. Now let us stand up. J'ai parlé lentement, sûrement, slowly, pour que tu comprennes. For you to understand. Tu dois appeler le feu du Saint-Esprit. You must call the fire of the Holy Spirit. Pour arrêter. To stop. Arrêter. To stop. Tout esprit. Every spirit. Qui soit inconscient. Let it be unconscious. Qu'il soit conscient. Let it be conscious. Qui attaque cette église? That is attacking this church. Qui doit l'arrêter? You stop it. Amen. Amen. S'ils ont cité tes enfants. If they mentioned your children. S'ils ont cité ton mari. If they mentioned your husband. S'ils ont cité ta femme. If they mentioned your wife. Même ton ministère. Even your ministry. Tu dois arrêter ça. You must stop it. Amen. Amen. Tu travailles. You are working. Il n'y a pas un rendement. There is no returns. Tu travailles. You are working. Il n'y a pas un bon salaire. But there is no good salary. Tout ça, mon frère, ma sœur. All that, brothers and sisters. Ça peut être ce travail-là de ténèbres. It can be the work of darkness. Nous allons arrêter ça. We have to stop it. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tout esprit. Every spirit. Qui n'est pas capable. That is not able. De monter en esprit. To rise in the spirit. Avec la parole. With the word. Nous allons arrêter ces esprits-là. We are going to stop those spirits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la parole. We have the word. Nous sommes dans le royaume. We are in the kingdom. Il faut que nous puissions développer dans le royaume. We must develop in the kingdom. Ceux-là qui sont utilisés. Those who are used. Pour attaquer nos vies. To attack our lives. Nous les arrêtons ce soir. We stop them this night. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Let us pray in the name of Jesus Christ. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus Christ. Pray in the name of Jesus. Prie. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Écrase, écrase. Crush and crush. Détruis le travail des ténèbres. Destroy the work of darkness. Tout cela. Everyone. Tout cela. Everyone. Qui se sont levés en esprit. Who pour toucher nos vies. To touch our lives. Tu les attaques. Tu les you attaques. Attack them. Pray. Prie, ma sœur. Prie, mon frère. My sister, my brother. Prie. Pray. Amen. Hein? Amen. 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 Eh, vous êtes froid. You are cold. Dans une prière de combat. In a prayer of warfare. Amen. Amen. Amen, Église. Amen, Church. Amen, Église. Amen, Church. Est-ce que tu sais que ta vie
Do you know that your life est en danger? Is in danger. Parce que je vois comme si les gens, quand on parle, ils voient people, ça chez l'autre. It's as if, ça peut être toi qui es ciblé. It's as if you're looking at the other one, but it can be you who is targeted. Ça peut être toi qui es ciblé. It can be you who Alors, is targeted. Prie. Now pray. Prie, mon frère, ma sœur. Pray, my brother, my sister. Prie. Pray. Détruis les œuvres des ténèbres. Destroy the works of darkness. Amen. Amen. Tous ces gens-là qui sont utilisés. All those people are used. Tu dois les arrêter. So you have to stop them. Amen. Amen. Ils sont utilisés dans le monde des ténèbres. They are used in the world of darkness. Tu les arrêtes. You stop them. Tu déclares. You declare. Tu y es utilisé. You are used pour attaquer ma vie. To attack my tu life. Tu ne toucheras pas à ma vie. You will never touch my life. Tu es utilisé pour toucher à la vie de mes enfants. If you are used to destroy the life of my tu children, ne toucheras pas à la vie de mes you enfants. Will never touch the life of my children. Tu y es utilisé. You are used pour toucher. To touch à mon ministère. My ministry. Tu ne toucheras pas you mon ministère. Will never touch my ministry. Amen. 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 Nous prions au nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. In the name of Jesus. Prie mon frère, prie ma sœur. Pray, my brother, my sister. Tu les déclares. Declare. Tu les déclares. You declare. Tu les déclares. You declare. Toutes les personnes. Everyone. Dans notre église. In our church. Qui ne change pas. Who is not changing. Dans les comportements. In the behavior. Et qui est utilisé. And is being used. Par le monde des ténèbres. By the world of darkness. Qui devient un pont. And they become a bridge. Qui devient un pont. They have become a bridge. Pour les forces de nos familles. For the powers of our families. Atterrissent pour nous combattre. To fight us. Qu'ils soient écrasés. Let them be crushed. 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 Prie, 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 mon frère. Pray, pray, my prie, brother. Ma soeur. Pray, my sister. Détruis toutes Destroy les forces. Destroy all the powers. Détruis toutes les forces. Destroy all the powers. Tous ceux-là, mon frère. All those. Qui sont utilisés. Who are being used. Qui sont utilisés. Who are being used. Et qui ne changent pas. And they are not changing. Dans leur comportement. In their behavior. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Ils ne me verront plus jamais. They will no longer see me. Ils ne me verront jamais. They will never see ils ne me verront jamais. They will never see ils me. Ne verront plus mes enfants. They will no longer see my children. Ils ne verront plus mon épouse. They will no longer see my wife. Ils ne verront plus mon mari. They will no longer see my husband. Tu les déclares. Declare. Tu les détruis. You destroy. Tu les détruis. Destroy. Tous ceux-là. To everyone. Ils sont utilisés who inconsciemment. Is being used unconsciously. Inconsciemment utilisés. Unconsciously used. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Nous les arrêtons. We are stopping them. Nous les arrêtons. We are stopping nous them. Les arrêtons. We are stopping nous them. Les arrêtons. We are stopping nous them. Les arrêtons. We are stopping au nom puissant de Jésus. In the mighty name of au Jesus. Nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Prie mon frère. Pray my brother. Prie ma soeur. Pray my sister. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the prie Holy Spirit. Prie de ces gens. Burn all prie those de ces gens. Burn all those prie de people. Burn them. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Détruis-le, détruis-le. Destroy, destroy. Détruis-le, détruis-le. Destroy, destroy. Détruis-le, détruis-le. Destroy. Prie, 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 prie. Pray, 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 pray. Prie, mon frère. Pray, my brother. Prie, ma soeur. Pray, my sister. Prie, mon frère. Pray, my brother. Toute utilisation. Every usage. Abusive. Mauvaise. Every bad. Toute utilisation mauvaise. Every bad usage. Nous détruisons cela. We destroy it. Nous détruisons cela. We destroy it. Nous détruisons cela. We destroy it. Toutes les personnes. Everyone. Qui sont utilisées. Who is used. Pour combattre nos vies. To fight our lives. Pour combattre nos foyers. To fight our households. Pour combattre nos maisons. To fight our households. Ce soir. This night. J'appelle le feu du Saint-Esprit. J'appelle le feu du Saint-Esprit. I call the fire of the Holy Spirit. J'appelle le feu du Saint-Esprit. I call the fire j'appelle le feu du Saint-Esprit. I call the fire of ils sont brûlés. They are burning. 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 Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Prie mon frère. Pray my brother. Prie ma sœur. Pray my sister. Prie mon frère. Pray my brother. Toutes personnes. Everyone. Qui est utilisé. Who is used. Inconsciemment. Unconsciously. Ce soir. Tonight. Il est écrasé. They are crushed. Il est écrasé. They are crushed. Il est écrasé. They are crushed. Il est détruit. They are destroyed. Il est détruit. Destroyed. Il est détruit. Destroyed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toute personne. Everyone. Qui est utilisé. Who is used. Inconsciemment. Unconsciously. Pour attaquer nos vies. To attack our lives. Attaquer la vie de nos to enfants. Attack the life of our attaquer children. Nos ministères. Attack our ministry. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Nous l'écrasons. We are crushing. Nous les détruisons. We destroy. Nous les détruisons. We destroy. Appelle le feu du Saint-Esprit. By the fire of the Holy Spirit. Brûle. Hey. Brûle. Hey. Brûle. Hey. Brûle. In their meetings, là où ils se réunissent, where they gather, pour nous lancer des malédictions, to release sicknesses, nous déclarons ce soir, we declare this night, nous déclarons ce soir, we declare this night, feu, fire, 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 feu, prie mon frère, pray my brother, prie ma sœur, pray my sister, toutes personnes. Qui est inconsciemment utilisé. Who is used unconsciously. Ce soir. This night. Ce soir. This night. Les détruisons. We destroy les them. Détruisons. We destroy them. Nous les détruisons. We destroy. 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 Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout c'est lui. Everyone. Tout c'est lui. Everyone. Qui s'élève. Who rise. Dans la vie de notre église. In the life of our church. Qui s'élève. Who rise. Dans la vie de l'église. In the life of the pour church. Pour attaquer l'église. To attack the church. Ce soir. This night. Ce soir. This night. Il est écrasé. He is crushed. Il est écrasé. He is crushed. Prie, prie, prie. Pray, pray. Prie mon frère. Pray my brother. Prie ma sœur. Pray my sister. Tu peux bien le déclarer. Can you declare it? Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Consume ces gens. Consume those people. Consume ces gens. Consume those people. Consume ces gens. Consume those people. Toutes les personnes. Everyone. Toutes les personnes. Everyone. Qui résiste. Who resists. Inconsciemment. Unconsciously. À la parole de Dieu. To the word of God. Écrasé. 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 Tu pries au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. Prie, déclare. Pray and declare. Prie, déclare. Pray and declare. On ne touchera jamais à ta vie. They will never touch your life. On ne touchera jamais à ta vie. They will never touch your life. On ne touchera jamais à ton ministère. They will never touch your ministry. On ne touchera plus jamais à tes enfants. They will never touch your children. On ne touchera plus jamais à ta vie. They will never touch your life. On ne touchera jamais à la vie de ton mari. They will never touch the life of your husband. On ne touchera jamais à la vie de ta femme. They will never touch the life of your children. Tu le déclares. You declare it. Tu le déclares. You declare it. Tu le déclares. You declare it. Tu le déclares. Declare it. Prie mon frère. Pray my brother. Prie ma sœur. Pray my sister. Cette affaire te concerne. This concerns you. Prie, déclare. Pray and declare. Prie, déclare. Pray and declare. Détruis les forces du mal. The evil powers. Détruis les forces du mal. Destroy the evil powers. Détruis les forces du mal. Destroy the evil powers. Détruis les forces du mal. Destroy the evil powers. Prie, 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 prie. Pray, pray, pray.
Nous tendons à la fin, prie. Pray, pray. Nous tendons à la fin, prie. Pray. Prie, mon frère. Pray, my brother. Prie, ma soeur. Pray, my sister. Toutes les personnes. Everyone. Qui a cité ton nom. Who mentioned your name. Toutes les personnes. Everyone. Qui a cité tes enfants. Who mentioned your children. Toutes les personnes. Everyone. Qui a cité ton mari. Who mentioned your husband. Toutes les personnes. Everyone. Qui a cité ta femme. Who mentioned your wife. Appelle le feu du Saint-Esprit. Oh, the fire of the Holy Spirit. Ils sont brûlés. They are burning. 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 Prie, prie, prie. Pray, 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 pray. Prie, ma soeur. Pray, my sister. Est-ce que tu peux bien prier? Can you pray very well? Est-ce que tu peux bien le déclarer? Can you declare very well? Tu peux bien le déclarer? Can you declare it? Toutes les personnes. Everyone. Inconscient ou conscient. Consciously or unconsciously. Qui t'a cité? Who mentioned you? Dans les réunions. In their meeting. Ou détruit ton ministère? To destroy your ministry. Ou détruit ta vie? To destroy your life. Détruis la vie de tes enfants. To destroy the life of your children. Brûlé. 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 Tu le déclares. We declare. Tu le déclares. You declare it. Ils ne te feront rien. They will do nothing to you. Ils ne te feront rien. They will do nothing to you. Ils ne feront rien à tes enfants. They will do nothing to your children. Ils ne feront rien à ton épouse. They will do nothing to your wife. Ils ne feront rien à ton mari. They will do nothing to your husband. Ils ne feront rien à ton ministère. They will do nothing to your ministry. Tu peux le déclarer. Can you declare it? 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 Toute personne. Everyone. Qui est utilisé. Who is used. Dans ma vie. In my life. Qui a utilisé. Who is used. Conscient. Consciously. Ou inconscient. Or unconsciously. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Brûlé. Burn. 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 Prie, mon frère. Pray, my brother. Prie, ma soeur. Pray, my sister. Ce soir. Tonight. Nous devons les surprendre. We have to surprise them. Ce soir. Tonight. Nous allons les surprendre. We have to surprise nous them. Nous les brûlons. We are burning them. Nous les brûlons. We are burning them. Nous les brûlons. We are burning them. Là où ils se réunissent. Where they gather. Nous appelons le feu du Saint-Esprit. We call the fire of the Holy Spirit. Nous appelons le feu. We call the fire. 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 Nous appelons le feu. J'appellerai le feu. Oh, the fire. J'appellerai le feu. Oh, the fire. Brûlé. 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 Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Prie, mon frère. Pray, my brother. Prie, ma soeur. Pray, my sister. Écrase-le. Crush them. 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 Détruis-le. Destroy them. Détruis-le. Destroy them. Détruis-le. Destroy them. Tout celui. Everyone. Tout celui. Everyone. Conscient ou inconscient. Conscious or unconscious. Conscient ou inconscient. Conscious or unconscious. Qui a cité ton mariage. To destroy your marriage. Qui a cité ton mariage. Mentioning your marriage. Pour détruire le mariage. To destroy the marriage. Pour détruire le mariage. To destroy your marriage. Pour détruire le mariage. To destroy your marriage. Toutes les personnes. Everyone. Dans les réunions. In their meetings. Qui s'est levé. Who rose. Conscient ou inconscient. Conscious or unconscious. Qui cherche. And they seek. Que tu te divorces. You to divorce. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight. Ce soir. Tonight.
Allume le feu. Red light the fire. Allume le feu. 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 Light the fire. Ils sont brûlés. They are burning. 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 Écrasés. Prie, prie, prie. Pray, pray, pray. Prie, mon frère. Pray, my brother. Ma sœur, prie très bien. My sister, pray. Ce soir. Tonight. Nous les avons surpris. We surprised them. Ce soir. This night. Ils sont surpris. They are surprised. Ce soir. This night. Ils sont brûlés. They are burning. 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 Ils sont écrasés. They are crushed. Ils sont écrasés. They are crushed. Ils sont écrasés. They are crushed. Prie bien, ma soeur. There is no one. Prie bien, mon frère. Pray very well, my brother. Écrase-le. Crush them. Écrase-le. Crush them. Écrase-le. Crush them. Par le feu du Saint-Esprit. By the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. The fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Brûle. Burn. Brûle. Burn them. 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 Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Hold the fire of the Holy Spirit. Brûle. Burn them. Brûle. Burn them. Brûle. Burn them. Brûle, 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 brûle. Burn, burn, burn. Et au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Et au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Et au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Et au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. Dis j'écrase. Say I crush. J'écrase. I crush. Toutes les personnes. Everyone. Qui entrent dans ma vie. Who entered in my life. Conscient ou inconscient. Conscious or unconscious. Il est écrasé. They are crushed. Il est écrasé. They are crushed. Prie mon frère. Pray my brother. Prie mon frère. Pray my brother. Prie ma sœur. Pray my sister. Prie mon frère. Pray my brother. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Appelle le feu du Saint-Esprit. Call the fire of the Holy Spirit. Brûle, 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 brûle. Burn, 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 burn. Brûle, brûle, brûle. Burn, burn. Brûle, brûle, brûle. Burn, burn, burn. Prie mon frère. Pray my brother. Prie ma sœur. Pray my sister. Écrase. Crush. Écrase. Crush. Écrase. Crush. Prie au nom de Jésus. Pray in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of the Lord Almighty God. Father, we thank you.